Suppression de postes dans l'enseignement, 28 en Indre-et-Loire et 18 dans le Loir-et-Cher. Une baisse de moyens que dénoncent les syndicats, alors que le département devrait accueillir 116 élèves supplémentaires. On écoute la réaction de Paul Agard, le secrétaire départemental du SNUIPP, au micro de Romain Delville. On a juste la dotation académique et donc le nombre de postes que doit rendre l'Indre-et-Loire, 28 postes qui doivent être supprimés, donc clairement ça va être 28 classes hein, sans doute qui vont fermer, voire peut-être plus parce qu'on a aussi besoin d'ouvrir dans des secteurs, notamment dans les ULIS, dans les établissements spécialisés. Là il y a aussi des besoins qui se font sentir. Alors pour l'instant, ce qu'on a, c'est des bruits qui viennent de différents secteurs du département qui nous indiquent effectivement des menaces de fermeture, mais aussi des menaces de fusion d'écoles, ce qui est nouveau dans le département. Fusionner une école maternelle et une école élémentaire, avec pour risque, au bout de 1 ou 2 ans, de voir une classe ou 2 classes fermées, parce qu'en globalisant les effectifs, eh bien, on arrive à fermer des classes.